Peut-on fonder une éthique sur le plaisir? Je vous donne un sous-titre beaucoup plus concret. Y a-t-il une exemplarité des éléphants? Et vous allez, je l'espère, assez vite comprendre ce sous-titre. Je voudrais introduire mon propos. Ordinairement, la quête du plaisir est présentée comme contradictoire avec l'accomplissement éthique. Mais n'est-ce pas là un présupposé, un préjugé hérité d'une culpabilisation du désir et du plaisir? En gros, des trois monothéismes. La question mérite d'être posée. Je dis des trois monothéismes parce que, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, il ne semble pas que le plaisir ait très bonne presse, même s'il y a sur ce point des variantes entre les trois monothéismes. Donc on est conduit à se demander tout naturellement si il n'y aurait pas dans ce titre, peut-on fonder une éthique sur le plaisir, une sorte de provocation qui prendrait le contre-pied de l'exclusion réciproque ordinaire et usuelle du plaisir et de la morale, ou du plaisir et de l'éthique, car je reviendrai sur ces deux mots qui ne sont pas forcément synonymiques. Voilà effectivement une justification de ce sujet. Et de fait, cette question que l'on pose, peut-on concevoir une vie qui serait une vie de plaisir et en même temps une vie qui serait morale, qui serait éthiquement maîtrisée? Cette question, elle recouvre aussi ce qui a eu lieu dans l'histoire de la pensée. Et on a abondance de penseurs qui peuvent nous y aider. Je vais me centrer pour ma part sur trois penseurs, mais évidemment, ce n'est pas du tout exclusif. Mais je vais donner la parole dans un premier temps à Épicure, qui répondrait « oui, on peut fonder une éthique sur le plaisir, mais nous allons voir de quelle façon. » Ensuite, je vais donner la parole à saint François d'Assise, qui dans son introduction à la vie des votes, dit « non, on ne peut pas fonder une éthique sur le plaisir. » Et enfin, je donnerai la parole en troisième lieu à Spinoza, qui reprendra en gros la problématique épicurienne, mais à la lumière d'une critique de ce qu'il appelle la superstition de l'abstinence. Voilà quel va être mon itinéraire de réflexion. Il convient toutefois, avant d'entrer in medias res, de se mettre d'accord sur le sens des termes. On a l'habitude de considérer que les deux mots éthique et morale sont synonymiques. C'est à la fois vrai et faux. Revenons à l'étymologie qui, comme souvent, est éclairante. En grec, éthos, ça désigne d'abord la façon d'être. Et en latin, mos, moris, ça désigne exactement la même chose, la façon d'être. Qu'est-ce qu'on va appeler éthique à partir de l'éthos? Eh bien, ceux qui se préoccupent de la façon d'être. On appelle éthique une discipline qui a pour but prendre soin de la façon d'être. C'est-à-dire qu'on a, avec l'éthique, une discipline normative. Lorsqu'Épicure, dans sa fameuse lettre à Ménécée, dit « nous avons besoin de principes pour vivre comme il faut », il y a bien une dimension de normativité. Qu'est-ce que Épicure veut dire pour vivre comme il faut? C'est-à-dire qu'il y a une façon de vivre qui est bonne, convenable, adéquate pour l'être humain, et il y a une façon de vivre qui n'est pas bonne, adéquate et convenable pour l'être humain. Sans d'ailleurs que dans sa bouche, bonne, adéquate ou convenable,
véhicule un jugement de valeur morale. Par exemple, je vais donner un exemple. Si je bois 4 verres de vin et que j'ai la nausée pendant 3 jours, parce que je suis malade, l'excès de boisson a produit le contraire de ce que je visais. Je buvais pour obtenir du plaisir, mais si, me connaissant moi-même, je me dis que je ne dois boire qu'un verre de vin parce que le deuxième va provoquer la nausée pendant 3 jours, je m'abstiens de boire le deuxième verre de vin parce que, ce faisant, je fais le plein de plaisir avec mon premier verre qui n'engendre pas la souffrance mais qui n'engendre que le plaisir, alors que si je bois le deuxième ou le troisième verre qui produit la nausée, j'obtiens le contraire de ce que je visais. C'est-à-dire que j'obtiens la souffrance et pas seulement le plaisir. Ou du plaisir immédiat résulte une souffrance à court ou moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a un mélange qui s'opère, il y a un mélange qui, lui, montre que ce n'est pas un plaisir pur que j'obtiens. Ce n'est pas un plaisir pur, c'est quelque chose qui, effectivement, est un plaisir teinté d'amertume. D'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que quand le lendemain de mon excès, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que je suis malade !» Si j'avais su, je me serais abstenu ou j'aurais davantage contrôlé ma consommation d'alcool. Donc la prochaine fois, à bon entendeur salut, je ne ferai pas cet excès. Il est clair qu'à partir du moment où je regrette l'excès passé, cela veut dire que si j'avais à agir à nouveau de cette façon, je n'agirais pas de cette façon. Et de cette sorte de sédimentation réfléchie de l'expérience, je peux tirer une règle de vie. Mais cette règle de vie n'a rien de moral, mais elle a quelque chose d'éthique. C'est-à-dire que je règle ma façon d'être afin de pouvoir éviter ce qui engendre la souffrance. C'est exactement d'ailleurs une maxime épicurienne que Montaigne reprendra, le rien de trop. C'est-à-dire l'idée que ce qui peut engendrer la souffrance, c'est la démesure, hubris en grec, et que la bonne mesure ou la juste mesure, rien de trop, c'est cela qui me permet de forger un régime de vie personnel que je vais appeler une éthique de vie. Et si l'éthique de vie se finalise par la quête du seul plaisir, en grec, on dit hédonē pour le plaisir et eudaimon pour le bonheur. Donc, si ma vie se finalise par la quête du seul plaisir et non pas du déplaisir ou de la souffrance qui accompagne l'excès, eh bien, la règle de vie du plaisir va me conduire à m'abstenir de ce dont je sais que je risque de tirer une souffrance et un déplaisir. Donc vous voyez ici le mot éthique, le sens du mot éthique tel qu'on pourrait le trouver par exemple chez les Grecs, dans l'Antiquité grecque, c'est l'art de régler l'éthos. Je règle mon éthos, c'est-à-dire je règle ma façon d'être. C'est-à-dire par exemple dans une soirée chez des amis, une soirée très arrosée, je dis non, ça va, au deuxième verre, je m'interromps. Mais la première fois, je ne m'interromprai pas, peut-être parce que je ne sais pas que je ne supporte pas le deuxième, le troisième ou le quatrième verre. Et puis peut-être bien que si je suis plus fatigué un jour qu'un autre, je pourrais moins bien supporter l'alcool, etc. Donc il y a une sorte de connaissance de soi qui m'aide à régler ma façon d'être. Et ça, c'est une discipline normative, mais non pas au sens moral. Car est-ce que c'est une faute morale que d'absorber 3 verres de vin ? Non, dirait Épicure. C'est une faute technique, au sens où le deuxième ou le troisième verre de vin, s'il engendre pour moi la souffrance et la douleur, alors que je ne visais que le plaisir, ça veut dire qu'il montre que ma conduite n'est pas maîtrisée. Donc, ceux qui, comme les hédonistes cyrénaïques, disent « tout plaisir est bon à prendre
et sans limite, etc. Comme Aristippe de Cyrène, qui était le philosophe hédoniste auquel s'opposait Épicure, tout en considérant comme Aristippe de Cyrène que le plaisir était bon. Sauf que le plaisir n'est bon que s'il est plaisir pur, s'il ne s'assortit pas de son propre contraire, c'est-à-dire, par exemple, la nausée. Si j'ai bu 4 verres de vin et que demain, je suis malade, demain, après-demain et après-demain, que je suis malade pendant 3 jours, je vais me dire que j'ai mal fait de prendre le deuxième et le troisième verre de vin, mais ce ne sera pas une condamnation morale. Ce sera plutôt une condamnation technique. Je m'y suis mal pris pour obtenir le plaisir puisque j'ai obtenu le déplaisir. Donc ici, il y a l'idée d'une éthique comme régime de vie personnelle finalisé par le bien-être et par l'accomplissement de soi. Ce mot, ce sens du mot éthique, je le visais évidemment lorsque j'ai formulé le sujet. Peut-on fonder une éthique sur le plaisir? Réponse d'Épicure, oui, on peut fonder une éthique sur le plaisir et sur lui seul, c'est-à-dire pas sur la souffrance. Car si, à moins d'être maso, c'est-à-dire d'aimer souffrir, mais si je fais un acte qui a pour but le plaisir, mais que par mon manque de maîtrise, j'obtiens la souffrance, comme si je tombe malade pendant 4 jours parce que j'ai bu 4 verres de vin alors que j'aurais dû en boire la moitié, cet acte, je le regrette, et il manifeste que je ne me maîtrisais pas et que donc je manquais de rationalité dans la conduite de mon être. Et on va appeler éthique ici une conception du salut de l'être humain, sens du mot éthique qu'on retrouve dans Éthique à Nicomaque, par exemple, chez Aristote, et qui est le sens que les Grecs nous ont légué. L'éthique, c'est un art de vivre, et un art de vivre qui vise l'accomplissement et la satisfaction. Alors, on sait très bien qu'on peut avoir de multiples plaisirs. C'est Aristote qui disait, le plus haut des plaisirs pour l'homme qui est un être pensant, c'est justement de penser. J'éprouve un vrai plaisir à penser. Eureka, j'ai trouvé. Quel bonheur d'avoir trouvé et de sentir s'exercer en moi la puissance cognitive, la puissance du jugement. Pour Aristote, par exemple, la finalité constitutive de l'être pensant qu'est l'homme, c'est d'accomplir cette plus haute pratique qu'est la théoria, qu'est la contemplation du vrai, et le plaisir survient, je ne dis pas comme une cerise sur le gâteau, mais il survient comme ce symptôme heureux du contentement, qu'est le contentement qui accompagne l'accomplissement du propre de l'homme. Pour Aristote, et sans doute pour la plupart des philosophes grecs, la finalité constitutive de l'être, c'est de s'accomplir. Mais de s'accomplir comment? De s'accomplir selon son excellence propre. L'excellence propre de l'homme, c'est de penser. Et lorsqu'il pense, il a une sorte d'affect positif, qui est une sorte de joie, d'agrément, de plaisir, qui est le signe qu'il est en train de s'accomplir. Donc le but n'est pas tant le plaisir qui accompagne l'accomplissement que l'accomplissement lui-même. Mais en visant mon accomplissement, c'est-à-dire en exerçant ma puissance de pensée et en réfléchissant et en pensant, en visant l'accomplissement, j'obtiens de surcroît ce plaisir d'être qui est conforme à l'essence propre de mon être. Donc vous voyez ici, on dessine les contours d'une éthique qui se fonde sur le plaisir, qui vise le plaisir, mais qui en même temps se sert du plaisir comme tiers de touche. Car chaque fois que j'éprouve un plaisir, cela atteste qu'une fonction vitale de mon être est en train de s'accomplir. Donc ça, c'est le sens du mot éthique. J'appellerai éthique l'art de vivre, qui prend soin de l'éthos, c'est-à-dire de la façon d'être, et qui en prend soin de telle façon que l'accomplissement de soi advienne. Il y a presque de l'ontologique dans cette éthique, c'est-à-dire il y a un remplissement essentiel de l'être,
ontos, qui accompagne le fait d'être ainsi plutôt qu'autrement. Il y a une liaison essentielle de l'éthique et de l'ontologie. Cette liaison, on la repère particulièrement bien chez Aristote, puisque à travers la façon d'être du sage, à travers cette phronesis, cette sagesse ou cette sagacité pratique, ce qui se joue, c'est l'accomplissement de l'être de l'homme en tant que la fonction propre de l'homme est de penser. Il y a donc ici un moment philosophique extraordinaire où l'ontologie vient se suturer, se coller à l'éthique. Alors, évidemment, ça c'est ce que j'appellerais un hédonisme dont la plus belle formule se trouve chez un disciple latin d'Épicure, à savoir Lucrèce, qui dans le De Natura Rerum, qu'on traduit tout simplement de la nature, dit « Voluptas dux vitae ». La volupté, le plaisir, est guide de vie. Le plaisir est guide de vie. Alors, Épicure nous dit, lorsqu'il parle de la philosophie, vous connaissez cette définition célébrissime, la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse, cité par Sextus Empiricus, qui était un grand doxographe dans les esquisses pyrrhoniennes. La finalité de la vie est bien le bonheur, eudaimon, et le principe de cette quête d'accomplissement, c'est le plaisir, hédonē. Le plaisir est à la fois le principe, princeps, ce qui est premier et ce dont découle, et la visée, telos, constante, comme le confirme la belle formule de Lucrèce, voluptas dux vitae. Vous retrouverez la citation dans De la nature, livre 2, vers 172. Et la lettre à Ménécée précisait en exergue, mais dans le corps même de la lettre, ten hedonen arche, kai telos legomen einai tu makarios zen. Nous disons que le plaisir, hedonē, est un principe premier, arche, kai telos, et une finalité. Telos, c'est la flèche, c'est le javelot, et au sens figuré, c'est ce qu'on lance vers. Une finalité. Nous disons que le plaisir est le principe et la finalité tout makarios zen, zen d'une vie, makarios, heureuse ou accomplie. Et ou zen, c'est la vie bonne, qui fait le plein d'elle-même, qui fait le plein d'essence. Je fais le plein d'essence lorsque, effectivement, je suis capable de faire advenir cela. Mais pour que ce plaisir soit un principe éthique, il faut, nous dit Épicure, que la philosophie fonctionne comme une médecine de l'âme. Parce que l'âme est souffrante. De quoi souffrons-nous ? Essentiellement de nos ignorances que nous peuplons de nos frayeurs. Par exemple, le tonnerre gronde. L'éclair vient foudroyer tel et tel mortel qui a le malheur de se trouver sous un arbre. Et voilà que c'est Zeus qui a puni le mortel. Par cette sorte de superstition qui, comme le dira Spinoza, fait délirer la nature avec nous, nous attribuons aux éléments naturels une intention divine. Et nous errons dans la nature effrayés par tout. Mais voilà que le physicien, voilà que Lucrèce, après Épicure, nous explique, mais non, la foudre, c'est pas ça, c'est des masses d'air chaud, froid, c'est des phénomènes naturels. Faut pas en avoir peur parce que la foudre n'est pas finalisée par une intention. La foudre n'obéit pas à un pourquoi final, mais à un pourquoi efficient. Il se trouve que parfois des phénomènes naturels produisent la foudre, mais la foudre d'abord ne tombe pas forcément sur les mortels. D'ailleurs, si on sait qu'il ne faut pas se mettre sous un arbre quand il y a
la foudre, on évite d'être foudroyé. Et Zeus pourra essayer de nous foudroyer, il n'y arrivera pas. Donc, apprenons à comprendre la nature et la façon dont la nature produit ses effets, et ainsi nous ne craindrons plus les effets lorsque nous connaîtrons les causes. Et ainsi l'âme se purge de ses ignorances et des frayeurs qui accompagnent ses ignorances. Et s'en purgeant, s'en affranchissant, elle accède à l'absence de troubles, ataraxia. J'ai appris d'ailleurs qu'il y avait un médicament qui s'appelle l'atarax, qui paraît-il donc calme les gens angoissés. C'est ce qu'un jour m'a donné mon médecin, atarax. Il s'était frappé par le fait que c'était un mot grec, ataraxia. Or, l'ataraxia, ce n'est pas seulement la privation de la souffrance, c'est la restitution de l'être à la capacité qu'il a d'éprouver le plaisir d'exister. En supprimant l'angoisse, en rétablissant l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, on restitue l'être à la disponibilité qu'il a au propre plaisir d'exister, celui que décrit Rousseau dans la cinquième promenade. Voyez les rêveries du promeneur solitaire, de quoi jouit-on dans cet état ? Du simple fait d'exister. Que l'existence soit goûtée pour elle-même et que le fait d'exister soit goûté, ce n'est pas simplement la paix comme absence d'excitation, c'est la capacité que l'on a de jouir du vol d'un oiseau, du frisson d'air sur la joue, d'un reflet de lumière dans une goutte d'eau qui glisse le long d'une feuille. Il y a ici ce plaisir d'exister, mais pour que ce plaisir d'exister advienne à sa propre conscience de soi, encore faut-il que l'âme, nous ne savons pas si elle est matérielle, elle est plutôt matérielle chez Épicure, disciple de Démocrite, mais que l'âme, comme principe de la pensée et de l'émotion, soit affranchie de ce qui la trouble. Et elle peut être affranchie de ce qui la trouble par l'exercice de la raison qui connaît la façon dont la nature produit ses effets et qui donc débarrasse la nature de ce théâtre d'ombre de Dieu qui agiterait les éléments pour punir ou châtier les mortels. Dès lors, on extirpe la peur de la nature et en même temps la peur des dieux. Donc, on rend possible l'ataraxia. Mais il faut aussi débarrasser l'homme des souffrances. Il faut que l'homme non seulement ne souffre pas moralement du fait de ses craintes, absence de troubles, mais qu'il ne souffre pas non plus du fait de ses excès. Apatheia, l'absence, non pas l'apathie au sens de passivité, mais l'apathie, c'est l'absence de souffrance. Et donc, quelqu'un qui est en ataraxia et en aponia, absence de douleur, absence de souffrance, apatheia, eh bien, il s'est débarrassé de tout ce qui empêche la vie de jouir d'elle-même. Et donc, là, il y a bien l'idée que la vie, l'existence même, a la possibilité de me faire jouir d'elle-même en moi, parce que en moi, ce que je ressens, c'est effectivement la possibilité d'éprouver cette sensation. Alors, lorsque Diogène Laërce rapporte les opinions, dit-il, d'Épicure, dans le livre 10, il explique cela par la référence à une tendance de tous les êtres humains, de tous les vivants, à éprouver douleur ou au contraire plaisir, du fait même qu'ils sont, dit-il, je cite, dès qu'ils sont nés, ils se complaisent dans le plaisir et sont hostiles à la douleur. Cela naturellement est sans discours. Diogène Laërce, livre 10, 37. Donc là, il y a une sorte de naturalisme. Nature est un doux guide, dira Montaigne, qui était à la fois stoïcien sur certains plans et épicurien sur d'autres. D'ailleurs, dans l'évolution des essais,
le troisième livre des essais, comme vous savez, est écrit beaucoup plus tard. Hein, il date de 1588. Dans le troisième livre des essais, c'est plutôt la fibre épicurienne qui l'emporte que la fibre stoïcienne. Nature est un doux guide, nous dit Montaigne. Et donc Montaigne sera l'épicurien qui, à l'époque de la Renaissance, va se dire, après tout, le plaisir est bien un bon guide de vie, voluptas dux vitae. Et Descartes lui-même, dans une très belle lettre à Élisabeth du 18 août 1645, vous voyez la correspondance de Descartes avec Élisabeth, a bien vu le sens de l'éthique épicurienne du plaisir et tout à fait écarté les contresens dont elle pouvait faire l'objet, parce que déjà du temps d'Épicure, s'était répandue la légende qui assimilait Épicure à un débauché. Rien de tel chez Épicure. Le type qui s'abstient du troisième verre de vin, l'exemple est de moi et pas d'Épicure. Mais si je m'abstiens du troisième verre de vin parce que je sais que ça va me donner la nausée et que je vais être malade à crever pendant trois jours, cette rétention et cette idée de dire rien de trop fait de moi un hédoniste assumé. Je fais le plein de plaisir avec les deux premiers verres de vin, mais le troisième, je dis non merci. Dans cette régulation de ma façon d'être, il y a l'intérêt bien compris de celui qui ne vise que le plaisir, mais qui ne veut pas que le plaisir s'assortisse de douleur. Donc mon abstention est effectivement fait partie de mon hédonisme. Alors que pour Aristippe de Cyrène, l'hédonisme était sauvage, irréfléchi, non régulé. Donc, il est clair qu'Épicure, ici, c'est quelqu'un qui fait le plein de plaisir, mais qui en même temps dit pas d'excès. Non pas que l'excès, il le condamne moralement, il le condamne parce que c'est pas bon techniquement. C'est comme si je prends un virage à 100 à l'heure, alors qu'il était indiqué que si je ne voulais pas sortir de la roue, je devais le prendre à 60 à l'heure. La faute n'est pas morale, elle est purement technique. Alors, elle est morale s'il y a un gus qui est en face et que je l'écrase au passage. Donc, effectivement, quand je conduis, j'ai charge d'âme, je dois m'occuper des autres. Mais la faute peut être morale et en même temps éthique, mais ici, quand je n'engage que moi, la faute n'est pas morale. C'est ce le contraire de ce qu'on va trouver dans le deuxième moment de ma réflexion. Il faut que j'aille très vite parce que là encore, il faut que je tienne la distance. Donc, nature est un doux guide, c'est-à-dire que la nature elle-même nous fournit le critère de conduite dès lors que nous mettons notre raison au service de la régulation de nos désirs, afin d'obtenir le maximum de plaisir sans jamais que ce plaisir s'assortisse de l'amertume de la souffrance. Et cela va conduire à ce que Épicure appelle, mais je ne vais pas développer, un plaisir catasthématique, parce que Épicure distingue deux types de plaisir. Le plaisir le plus courant, c'est le plaisir cinétique, c'est-à-dire le plaisir en mouvement, qui rejoint l'idée de la tension que je supprime. Par exemple, quand j'ai faim, à un moment donné, la crampe d'estomac crée une tension. Tant que je n'ai pas mangé pour satisfaire mon besoin, je suis en tension. Et dès que je mange, je satisfais. Et d'ailleurs, Épicure dit, pour l'homme qui a faim et qui a soif, un peu d'eau claire dans la paume de la main et un bon bout de pain, ça suffit pour étancher la faim et la soif. Ça ne l'empêche pas de gueuletonner quand il aura des banquets avec des bons poissons et des sauces, dit-il. Mais que l'homme ne s'apprenne pas à dépendre des banquets avec des poissons et des sauces. Parce que sitôt que des revers de fortune ne lui permettront plus de gueuletonner, il sera malheureux. Parce que l'éthique épicurienne est une éthique de la liberté, de l'autarkeia, de l'autosuffisance. Apprendre à ne dépendre que de soi. Et pour mieux ne dépendre que de soi, ce qu'il faut à l'évidence, c'est ne pas mettre la barre si haut dans la quête des biens et des choses luxueuses qu'on se mette soi-même en position de ne pas pouvoir les atteindre. Alors que si j'apprends à satisfaire mes besoins avec un peu d'eau fraîche et un peu de pain, ça ne veut pas dire que je suis un ascète.
ça veut dire que je me discipline moi-même pour ne pas dépendre des fluctuations de l'extériorité. Et donc que je me dote, dans toute la mesure du possible, de la liberté entendue comme indépendance, comme autarkeia au sens étymologique, autosuffisance. Ça ne veut pas dire qu'Épicure préconise l'égoïsme et le repli sur soi. Au contraire, il rend possible l'amitié, la filia, à ceci près qu'un être autarcique est d'autant plus capable d'amitié qu'il est autarcique. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien, l'amitié, c'est la relation désintéressée. Tu n'es pas mon ami parce que tu me servirais à quelque chose. Je vais vers toi parce que tu ne me sers d'abord à rien, parce que je suis autosuffisant. Et donc, notre amitié se noue comme la rencontre de deux êtres libres qui n'ont pas d'abord besoin l'un de l'autre matériellement, même si après naîtra de leur amitié le besoin d'un échange, d'un commerce qui est celui de la philia. La philia est une théorie épicurienne et elle est d'autant plus possible comme relation désintéressée que les êtres qui la nouent sont effectivement indépendants les uns des autres. Donc la théorie épicurienne de l'épicuriat est une éthique de l'indépendance, mais ce n'est pas une éthique du repli égoïste, c'est aussi une éthique de la philia. Et donc, cette éthique qui se fonde sur le plaisir, sur l'accomplissement fondamental de soi, ouvre à l'autre, loin de fermer à l'autre. Voilà, brièvement résumé, parce que j'ai le sentiment d'être quand même un peu schématique sur Épicure, la théorie épicurienne, qui répond oui, on peut fonder une éthique comme art de vivre, le soin de l'éthos, le soin de la façon d'être, sur le plaisir. Le plaisir étant la fin, telos, et le principe arché, la pierre de touche qui me permet, effectivement, lorsque je raisonne et que je mets ma raison au service de cet art de vivre selon le plaisir. Et cette éthique est aussi valable pour le rapport à autrui. C'est-à-dire du régime de vie personnelle va découler une vertu. Car un être qui est accompli, qui n'est pas dans la frustration, ne cherche pas à compenser par des passions tristes, comme dira plus tard Spinoza. Et donc il y a cette idée qui émerge chez Épicure, qui est que le bon accomplissement de soi par l'éthique hédoniste est la condition de possibilité d'une bonne morale comme respect à autrui. Parce que le mot morale, lui, va introduire un sens, sans doute à partir du christianisme, assez différent de l'éthique, qui est le rapport à autrui. Qui est le rapport à autrui, et on appelle morale à la fois une conception et une attitude qui se soucie d'autrui et qui pose des valeurs par rapport à autrui. Donc chez Épicure, conjonction de l'éthique comme régime de vie personnel dans l'accomplissement de soi et de la morale comme respect de la personne d'autrui. Cette conjonction va être détruite par le christianisme et on va passer au deuxième moment. Mais enfin, rappelons les belles formules de Montaigne qui disait à propos de la reprise du plaisir catastématique, je vous cite ce qu'il dit dans le troisième livre des Essais, chapitre 13. Écoutez, c'est très beau. C'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. Donc, ainsi libéré, assumé, l'allégresse de vie se cultive en toutes circonstances. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Donc, Montaigne, c'est l'épicurien de la Renaissance. Deuxième temps, la part maudite. Christianisme, l'homme a péché et il est déchu. C'est ce qu'on appelle la théorie de la part maudite de l'homme. Nous
devinons que dans tout ce que je vous ai raconté dans le premier moment, à propos de la doctrine épicurienne, enveloppe une théorie anthropologique et ontologie, une théorie de l'être. Et une théorie de l'être humain qui n'est pas forcément pessimiste, ni forcément optimiste. Il ne s'agit pas de dire « est-il bon, est-il méchant » et de trancher unilatéralement, mais il s'agit de dire que l'homme est un être plein de potentialités et qu'autant faire en sorte que ce soit les bonnes potentialités qui s'accomplissent. Donc on est dans une anthropologie optimiste plutôt, je crois, avec relativement optimiste, même si ce n'est pas tout à fait la problématique d'Épicure de trancher la question de savoir si l'homme est bon ou méchant a priori. Mais avec l'anthropologie chrétienne, on constate que Adam et Ève ont péché, qu'ils ont refusé une condition qui était presque parfaite, je ne dis pas parfaite, presque parfaite, ce qui pose le problème de la généalogie de la faute, avec le serpent, possibilité objective, et avec la faillibilité, possibilité subjective. On a ici une ontologie qui est étrange, puisque l'homme est sorti des mains de Dieu. Dieu est parfait, mais l'homme est apparemment imparfait, sans que cette imperfection puisse lui être imputée, puisque s'il avait été fait parfait, l'homme n'aurait pas péché. Les chrétiens, les théologiens répondent, mais si on l'avait fait parfait et qu'il pouvait faire que le bien, il n'était pas libre. Ce qui veut dire que les chrétiens ont tendance à solidariser la liberté et le mal. Parce que j'ai toujours interrogé des théologiens contemporains et des bons, qui me disent, mais je leur disais, mais attendez, expliquez-moi pourquoi Dieu qui est parfait n'a pas fait un homme parfait et infaillible. Ah ben parce que s'il avait été parfait et infaillible, il n'aurait pas été libre. Il fallait qu'il ait le choix entre le mal et le bien. J'ai dit, donc Dieu n'est pas libre puisque lui il est parfait et infaillible. Alors là, il me dit, ils sont embêtés parce que si on applique à Dieu ce qu'on applique à un homme qui serait parfait, c'est embêtant, ça ne marche plus. Donc, la part maudite, c'est que l'homme a été créé par Dieu faillible. Il n'y a personne d'autre dans la théorie du créationnisme qui a créé l'homme que Dieu. Et même si c'est le diable, personnage extrinsèque par rapport au Dieu qui est venu faire des bêtises, il reste que le diable n'a que le pouvoir que Dieu lui attribue. Puisque Dieu est omnipotent, comment expliquer que Dieu concède au diable un efficace? Dans un monothéisme qui pose qu'il n'y a qu'un Dieu tout-puissant et infiniment bon, il y a un problème. S'il est tout-puissant, il a le pouvoir d'empêcher le mal, et s'il est infiniment bon, il veut empêcher le mal. Alors pourquoi le mal existe-t-il sur la terre? La faute des hommes! Pourquoi les hommes sont-ils fautifs? Parce qu'ils étaient faillibles. S'ils avaient été infaillibles comme Dieu lui-même, c'est-à-dire si Dieu avait transmis aux hommes sa propre infaillibilité et sa propre toute-puissance, les hommes n'auraient jamais cueilli la pomme. Et on serait encore au paradis à lever les mains pour cueillir les fruits et tout irait bien. Donc effectivement, ça c'est le christianisme. Alors, la chute, on tombe dans l'existence temporelle, et là, il y a rédemption. Les théologiens nous disent qu'il faut que les hommes apprennent à s'abstenir de certains plaisirs, parce que la quête du plaisir est une très mauvaise chose. Et saint François d'Assise, dans le livre 3 de l'introduction à la vie dévote, c'est un texte de 1617, va nous parler des éléphants. Des éléphants qui sont des animaux de moralité exemplaire. Je vais vous expliquer la moralité exemplaire des animaux. Que sont les éléphants? C'est pourquoi le sous-titre de mon exposé, c'est « Y a-t-il exemplarité de l'éléphant ?» Alors je vais vous lire, je vais donner la parole maintenant à saint François d'Assise. L'éléphant n'est qu'une grosse bête, mais la plus digne qui vive sur la terre et qui ait la plus de sens. Je vais vous dire un trait de son honnêteté. Il ne change jamais de femelle et il aime tendrement celle qu'il a choisie, avec laquelle néanmoins il ne parie que de 3 ans en 3 ans.
Il ne parie, c'est-à-dire il ne s'accouple, hein, vous avez compris. Il ne fait l'amour avec sa femelle tendrement aimée que de 3 ans en 3 ans. Et cela, écoutez bien, pour 5 jours seulement, et si secrètement que jamais il n'est vu en cet acte. Mais il est bien vu pourtant le 6e jour, auquel avant toute chose. Il va droit à quelques rivières en laquelle il se lave entièrement tout le corps, sans vouloir aucunement retourner au troupeau qu'il ne se soit auparavant purifié. L'acte d'amour est sale. Ne sont-ce pas de belles et honnêtes humeurs d'un tel animal, par lesquelles, écoutez bien, par lesquelles il invite les mariés, à ne point demeurer engagés d'affection aux sensualités et voluptés que selon leur vocation ils auront exercées, mais y celle passée de s'en laver le cœur et l'affection et de s'en purifier au plus tôt pour par après, avec toute liberté d'esprit, pratiquer les autres actions plus pures et relevées. Voilà la transposition de l'abstinence de l'éléphant à l'abstinence nécessaire des jeunes mariés qui ne doivent, bon, alors je ne sais pas s'ils ne doivent faire l'amour que de 3 ans en 3 ans, mais ils doivent le faire le moins souvent possible et surtout ne point demeurer engagés d'affection aux sensualités et voluptés que selon leur vocation ils auront exercé. Alors, ils auront exercé les voluptés selon leur vocation, ce qui est une façon de reconnaître que l'homme a une vocation à la volupté. Et qu'est-ce que les voluptés ? Ben, c'est le plaisir sexuel. C'est clairement de cela que nous parle Saint François d'Assise. Voilà. Et on va justifier maintenant éthiquement cette nécessaire abstinence dans l'acte. Donc, il faut faire l'amour parce qu'il faut bien faire l'amour pour reproduire l'espèce. Donc, on use du corps de l'autre pour reproduire l'espèce, mais on ne doit pas jouir de ce dont on use. Et on va voir la distinction entre les choses dont on use et les choses dont on jouit. Ici, cette disjonction entre l'usage et la jouissance est typique de l'abstinence chrétienne, du moins à l'époque de Saint François d'Assise. Je lis l'alinéa suivant et je vous laisse le saisir. En cet avis consiste la parfaite pratique de l'excellente doctrine que Saint Paul donne aux Corinthiens. Le temps est court, dit-il, reste que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant point. Comprennent qui pourra, mais bon, déjà vous remarquez la formulation machiste. On ne dit pas que les femmes qui ont des mecs soient comme n'en ayant point, on dit que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. On est en plein patriarcat machiste, la femme est la seconde de l'homme. Bon, mais c'est la sédimentation des préjugés de l'époque. Ça ne veut pas dire que le Dieu a forcément des préjugés machistes, parce qu'il serait étonnant qu'un Dieu éternel partage les préjugés d'une époque historiquement déterminée. Sinon, il a des pensées qui sont temporelles alors qu'il est théoriquement éternel. Bon, enfin, ça, c'est un problème qui mériterait d'être réfléchi. Car selon Saint... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir des femmes comme n'en ayant point quand on est un homme. Alors, Saint Grégoire nous répond : celui a une femme comme n'en ayant point qui prend tellement les consolations corporelles avec elle que pour cela, il n'est point détourné des prétentions spirituelles. Alors là, c'est un peu plus nuancé que l'histoire de l'éléphant, parce qu'on peut avoir des consolations temporelles avec la femme. Pardonnez-moi, mesdemoiselles et mesdames, de ce côté machiste de la formulation, évidemment, on pourrait renverser, on peut avoir des consolations corporelles avec les hommes. Bon, on devrait inverser à l'âge de l'égalité des sexes. Mais enfin, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Prendre les consolations corporelles avec la femme de telle façon qu'on ne soit point détourné des consolations, des prétentions spirituelles. Autrement dit, là c'est quand même un petit peu différent comme discours, c'est vous pouvez faire l'amour et peut-être même en éprouver des jouissances, c'est ça les consolations corporelles,
Mais à la condition que ça ne vous détourne point de la spiritualité. C'est ça qu'on pourrait comprendre. Hein? Donc là, il y a une nuance. Et on termine. Or, ce qui se dit du mari s'entend de la femme. Que ceux qui usent du monde soient comme n'en usons point. J'ai encore combien de temps? Pardon? 10 minutes. Bon, merci de me le dire parce que ça va me rendre service. Donc effectivement, ici, il est clair que l'exemplarité de l'éléphant, c'est le fait qu'il ne prend pas de jouissance à ce qui est pourtant nécessaire, à savoir l'usage. Donc la distinction religieuse, c'est les choses dont on use, on ne doit pas en jouir. Et les choses dont on jouit sont d'une autre nature, elles nous incitent à la spiritualité, au dépassement de l'existence. Donc ici, la quête d'un homme sensible qui viserait à son propre accomplissement selon un régime de vie personnelle où le plaisir sexuel aurait sa place, cède la place à une renonciation relative, puisque la tension de son être vers la verticalité de la spiritualité doit le détourner de l'horizontalité de l'être qui serait enlisé dans ses désirs et dans les consolations sexuelles. Donc voilà, effectivement, là, on a l'exemple type de ce qu'on appelle habituellement la culpabilisation du plaisir sexuel dans la morale judéo-chrétienne. Alors ça, effectivement, c'est le point qui nous attachait. Alors évidemment, le christianisme a triomphé. Pendant très longtemps, l'éthique de vie du couple a été marquée par cela. Il a fallu attendre très longtemps pour obtenir une déculpabilisation du plaisir sexuel. Et même lorsque l'Église fut hostile dans un premier temps au préservatif, il y avait un des derniers discours de Jean-Paul II en Afrique qui était pour dénoncer l'usage du préservatif, ce qui n'était pas très responsable à l'époque de la pandémie du sida. Mais enfin, fermons la parenthèse, l'Église a été très longtemps hostile aux pratiques contraceptives qui permettaient effectivement de pratiquer la sexualité sans procréation, mais avec obtention de plaisir. Tout cela s'enracine quand même dans une morale chrétienne qui est ici attesté. Alors évidemment, l'idée que la spiritualité ou la raison philosophique doivent être préservées et que la vie de plaisir ne doit pas effectivement s'assortir d'une renonciation à ce qui est la vie de l'esprit humain, il faut la défendre et l'illustrer. Et c'est sur ce point, et là ça sera forcément plus rapide, que Spinoza va reprendre le flambeau, en quelque sorte, et nous expliquer ce qu'il en est, effectivement, de la question du statut du plaisir. Je lis de Spinoza dans le quatrième livre de l'éthique. Alors, je rappelle que éthique, chez Spinoza, ça ne veut pas du tout dire morale. C'est la reprise d'une théorie du salut ici-bas, sur terre. Donc, c'est le titre de Spinoza, du livre de Spinoza, Éthique, reconduit à l'idée de l'éthos grec, théorie de l'accomplissement de soi et des autres, et non pas à l'idée d'une morale qui serait injonction au nom de normes transcendantes, alors que dans l'éthique, il y a plutôt explicitation de normes immanentes. Alors, ce que Spinoza va nous dire dans le livre 4 de l'éthique, « Des servitudes humana, de la servitude de l'homme, au scoli du corollaire de la proposition 45 », c'est la chose suivante. Je lis. « Nihil profecto nisi torva et tristis superstitio delectari prohibet. Seul, assurément, une farouche et triste superstition interdit de prendre des plaisirs. En effet,
En quoi convient-il mieux d'apaiser la faim et la soif que de chasser la mélancolie ? Telle est ma règle, telle est ma conviction. Aucune divinité, nul autre qu'un envieux, ne prend plaisir à mon impuissance et à ma peine. Nul autre ne tient pour vertu nos larmes, nos sanglots, notre crainte et autres marques d'impuissance intérieure. Au contraire, plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande la perfection à laquelle nous passons, plus il est nécessaire que nous participions de la nature divine. Donc ici, on retrouve l'ontologie et l'éthique spinoziste. L'homme est mu par un conatus, et le conatus, c'est l'effort pour s'accomplir, pas seulement pour persévérer dans l'être, mais pour être pleinement ce que l'on peut être. C'est ça le conatus, l'effort pour accomplir l'être dans sa plénitude. Et cet effort passe par la compréhension de la façon dont la nature totale agit sur nous. Et plus nous comprenons, plus nous augmentons notre pouvoir d'agir. Et plus nous augmentons notre pouvoir d'agir, plus nous augmentons notre être lui-même. Mais plus nous augmentons notre être, plus nous sommes joyeux. La joie n'étant pas autre chose que le symptôme du passage de l'être à un plus grand accomplissement de soi, ce que Spinoza appelle du passage de l'être à une plus grande perfection. Mais attention, perfection relève du latin perfectum, qui veut dire complètement accompli, complètement achevé. Et passer à une plus grande perfection, c'est passer à un degré supérieur d'accomplissement. Or, pour que nous participions à la nature divine, parce que cette fois-ci, Dieu n'est plus un être transcendant, il est la nature totale, Deus sive natura, dont moi-même je suis partie. Et je suis donc une partie de Dieu lui-même. Lorsque je m'accomplis, c'est Dieu qui s'accomplit en moi, selon l'immanence à une nature totale. Et si je veux effectivement pouvoir m'accomplir le mieux, à la fois sur le plan moral et sur le plan éthique, c'est par le passage à une plus grande perfection. Donc on retrouve ici, chez Spinoza, une idée finalement assez proche de celle d'Épicure, selon laquelle la meilleure éthique, c'est une éthique de l'accomplissement et non pas une éthique du renoncement ou de la renonciation. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille faire tout et n'importe quoi. Spinoza d'ailleurs avait sans doute une vie qui avait une certaine part, sinon d'austérité, du moins de contrôle et de maîtrise de soi. Mais effectivement, Spinoza n'est pas un débauché, pas plus que Épicure n'était un débauché. La légende des pourceaux d'Épicure qui se vautrent dans la fange et dans le lucre, etc., ça c'était une légende polémique. Mais l'Église d'ailleurs a beaucoup critiqué Épicure en en faisant effectivement un adepte de la débauche. Alors que Épicure n'était pas... Ni Épicure ni Spinoza ne sont des adeptes de la débauche. Donc je vais terminer, parce qu'il faut bien, hélas, que je m'arrête, parce que le temps qui m'est imparti ne me permet pas de poursuivre. Pardonnez-moi d'être aussi un peu long, je dis cela comme mon collègue. Donc avec Spinoza, on s'insurge contre la superstition de l'abstinence, qui commanderait de ne pas chercher le plaisir, et on montre effectivement, et toute l'éthique le montre, qu'un être qui s'accomplit est finalement un être beaucoup plus disposé à la moralité qu'un être qui est frustré, parce que Spinoza montrera que la joie comme symptôme de l'accomplissement de soi est en même temps un facteur de développement de soi et de la puissance de comprendre. Il y a une dialectique vertueuse. Plus je m'accomplis, plus je suis joyeux, et plus je suis joyeux, plus je m'accomplis. C'est le cercle vertueux. Mais s'il y a un cercle vertueux, il y a aussi un cercle vicieux. Moins je m'accomplis, plus je me recroqueville, plus j'ai de haine de soi, moins j'ai d'estime d'autrui et de moi-même, plus j'ai une propension à la haine, à l'envie, à la jalousie. Donc ici, on retrouve le point de suture entre la morale comme conduite à l'égard d'autrui et l'éthique comme régime de vie personnelle. Voilà, je m'arrête là, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais j'avais peut-être prévu trop à vous dire. Vous inventerez le reste, hein.
Mais enfin, on peut s'arrêter là quand même. J'ai fait le petit itinéraire de 3 points que je m'étais fixé. Merci de votre attention.